Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans son message pour le carême 2024, le pape François nous dit que le temps de carême n'est pas un temps de tristesse. Ce n'est pas un temps où on doit avoir le visage renfrogné. Ce n'est pas un temps de deuil, mais c'est un temps de joie. C'est un temps d'amour. La joie d'être avec l'époux, la joie d'être avec le Seigneur, la joie d'être avec Dieu. C'est même pendant le temps de carême que nous devons faire l'expérience de la joie et de l'amour. L'expérience de la joie, parce que c'est le temps où nous devons donner la joie aux autres. C'est le temps où nous devons montrer plus d'amour pour l'autre. Et comme va le dire Isaïe, en les libérant, en leur faisant justice un peu désormais. Si on ne payait pas leur salaire, qu'on paye. Si on ne leur donnait pas la joie de vivre, qu'on leur en donne. Et c'est ce que la parole de Dieu d'aujourd'hui nous enseigne, le vrai jeûne. Le vrai jeûne, ce n'est pas ce que font les disciples de Jean le Baptiste. Il vient poser la question à Jésus, « Pourquoi pendant que nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Nous et les pharisiens, nous jeûnons. Et la question est bien claire, en quoi consistait leur jeûne? Pour qu'ils viennent demander à Jésus, lui dit que ses disciples ne jeûnent pas. Parce qu'ils s'étaient imposé un jeûne trop sévère. Ils s'étaient imposé des disciplines de vie un peu plus coriaces, plus austères. Ils s'étaient imposé une assez et même des privations douloureuses. Parce qu'ils pensaient que c'est ça le vrai jeûne. Ils faisaient des sacrifices trop austères. Et ils voient que les disciples de Jésus sont en joie, ils sont dans le bonheur, ils sont contents, ils sont bien, mais eux ils sont là. Et Jésus vient donc leur montrer que, comme dit Isaïe, nous pouvons faire de mauvais jeûnes. Parce qu'on s'impose une austérité, des privations, on ne mange plus, on ne boit plus. Toute la journée, on voit notre visage ridé, on s'impose, je ne bois. Alors que dans notre cœur, nous faisons la guerre sur les gens. Pendant que les disciples s'imposaient de telles rigidités, de tels sacrifices austères, ils vivaient des atrocités. Ils vivaient dans un manque d'amour. Ils vivaient dans un manque de réconciliation. Et c'est pourquoi Isaïe vient nous dire aujourd'hui, votre jeûne se passe en coup de poing. Votre jeûne et votre carême se passent dans des querelles, dans des disputes. Tu dis que tu jeûnes, alors que tu n'arrives pas à saluer ton voisin. Tu dis que tu jeûnes, alors que tu n'arrives pas à saluer ton épouse qui est dans la maison. Ton épouse, ta femme, la femme n'arrive pas à saluer son mari le matin en sortant. Tu t'imposes des privations au point où tu
Impose même un jeûne à ton mari le soir. Même s'il faut savoir que pendant ce temps, carré, dort au salon. Hein. Tu ne dors pas dans la chambre. On t'a dit que le jour, le temps de carême, c'est le temps où on quitte la chambre. C'est le temps où on se met le voile sur le visage, se fait noir. Non, et même quand tu as organisé un tel jeûne, entends-toi avec ton mari. Il ne faut plus que les maris viennent nous dire ici, mon père, ce que vous avez imposé à nos femmes là, c'est très douloureux pour nous. Ce n'est pas ça le jeûne qu'on te demande. Un jeûne qui se passe dans le deuil, que tu as instauré un climat de deuil chez toi. Un jeûne où tu passes les pleurs. Un jeûne où tu ne donnes pas l'amour aux gens. Un carême où tu ne fais plus le bien. Où tu dois sortir, tu ne prépares plus ce qu'il faut pour ta famille. Non! Le Seigneur nous dit aujourd'hui en quoi consiste le vrai jeûne. Le vrai jeûne consiste à libérer les gens. Le vrai jeûne consiste à pratiquer la justice. Le vrai jeûne consiste à donner un peu d'amour aux hommes. Voilà le vrai carême. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, le temps de carême est un temps de joie. C'est un temps de bonheur. C'est un temps de faire le bien. Et le pape François, dans ce même message, va nous dire, pendant ce temps de carême, nous devons repenser le style de notre vie. Il faut revoir ta façon de penser. Je disais ici le mercredi des cendres, nous recevons la cendre où? Sur le front. Le front est symbolique de l'intelligence. C'est le symbole de la pensée. C'est le symbole du cerveau où tout part, où la réflexion part pour aller dans le cœur. Et au-delà du cerveau, de la tête et du front, de l'intelligence, de la pensée, c'est le cœur qui est visé. S'il était possible de oindre la cendre là, je devais faire une piscine de cendre et je retire le cœur de chacun, je trempe là-dedans. Pour qu'il n'y ait plus de conversion, pour qu'il n'y ait plus de pénitence, pour qu'il n'y ait plus d'amour. Et le pape nous dit, changeons notre style de vie. Et en commençant par notre quartier, il a dit, invitez-vous la communauté chrétienne, invitez les femmes et les hommes à être plus présents dans leur quartier et à transformer leur quartier, à rendre leur quartier meilleur, à rendre leur quartier heureux. Et c'est ce que Isaïe vient encore nous dire aujourd'hui, frères et sœurs, que le jeûne est un temps de libération. Le jeûne est un temps de bonheur. Oh! Si seulement nos gouvernants pouvaient comprendre cela, en quoi consiste le vrai jeûne? En quoi consiste la vraie pénitence? En quoi consiste le vrai carême? Comme Isaïe l'a dit, déchaînez les gens. Ne rendez plus les gens esclaves. Ne rendez plus votre population malheureuse. Ne rendez plus vos frères et sœurs malheureux. C'est un temps de réconciliation. C'est un temps où on vit avec sa population. C'est un temps où on vit avec ses amis, où on vit avec ses collègues de service, où on vit avec sa femme, avec ses enfants, où on vit avec tout le monde. S'ils pouvaient comprendre que le vrai jeûne consiste à jeûner du vol, à jeûner des détournements massifs qui causent tant de mal et d'esclavage à la population. Parce qu'on a volé tout l'argent, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a pas de route. Voilà nos esclavages, voilà en quoi nous sommes esclaves dans notre pays. Voilà pourquoi nous sommes en exil dans notre pays. Nous souffrons dans notre pays. Le vrai jeûne consiste à libérer le monde du mal, à libérer sa population du mal. C'est ça le jeûne qui consiste à donner plus d'amour et de joie, donner la joie aux gens. Si nos populations, nos gouvernants pouvaient comprendre, quelle rénovation et révolution sans violence. C'est-à-dire, vous jeûnez la minorité obèse d'argent et des biens du Cameroun. Libérez ça. Comme dit l'archevêque, il a toujours dit, prenez l'image de Zachée. Il a rendu tout ce qu'il avait volé pour le bien de la population. Quand il a écouté le message de Dieu, la parole de Dieu qui lui disait, ce que tu fais là n'est pas bien. Au lieu de chercher à tuer les journalistes, à tuer les prêtres, parce qu'ils dénoncent. Isaïe l'a dit,
vous venez me demander qu'est-ce que vous voulez faire, dénoncer au peuple sa méchanceté, dénoncer au peuple sa rigueur dans le mal, son enlisement dans le faux et les détournements. C'est ce que Isaïe nous a dit. Et c'est notre mission. Demandez-leur d'abandonner ces mauvais chemins-là. D'abandonner le mal qu'ils causent, les torts qu'ils causent aux autres. Voilà notre mission comme prophète et comme chrétien. Et alors tout le monde sera dans la joie. Tout le monde sera heureux. C'est cette grâce-là qu'il faut demander aujourd'hui au Seigneur. Le bon jeûne, c'est vrai. Imposez-vous une discipline, une rigueur. Limitez un peu de nourriture, un peu de boisson. Mais loin de là, c'est d'abord l'autre qui est visé. C'est le frère que nous devons rechercher. C'est la réconciliation. Est-ce que mon style de vie correspond à ce que le Seigneur attend de moi? Donner plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour aux autres en ce temps de carême. Voilà un peu ce que nous pouvons nous imposer comme jeûne. Et tout le reste, on peut manger, on peut boire, on peut être content en sachant que les autres sont contents. Et alors, comme dit Isaïe, quand tu as pratiqué un tel jeûne, comment peux-tu appeler le Seigneur, il ne te dit pas « me voici ». Comment peux-tu appeler le Seigneur, il ne te dit pas « viens mon fils ». Comment peux-tu demander quelque chose au Seigneur et il ne te donne pas parce que tu vis le vrai jeûne? Ça ne sert à rien de faire un jeûne pour se faire remarquer des hommes, pour qu'on t'applaudisse, pour qu'on voit. C'est vrai, c'est le temps d'accueil, c'est le temps de partage, c'est le temps où nous devons distribuer, oui, mais c'est aussi le temps où, frères et sœurs, nous devons d'abord partager l'amour et partager la joie. Loué soit Jésus-Christ.